Où que vous soyez, visitez caramelhaïti.net ou téléchargez l'application Radio Télé Caramel sur Play Store pour vous informer sous un autre angle. Chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Caramel lors de l'émission Reconstruction comme annoncé. Mon invité pour ce matin, Dr. Harrison Ernest, président du parti Construit la vie avec les matins, on va réfléchir pour nous et sur l'actualité. Pas oublier que Dr. Harrison Ernest est journaliste également, animateur, vedette de l'émission Tribunal d'histoire avec les matin, va permettre que nous comprenions l'actualité à son choix parce que quand même, moi-même, apparition de très souvent, nous parler sur l'actualité politique ensemble. D'ailleurs, de très souvent, moi, intervenu également dans l'émission Tribunal du soir avec Dr. Harrison Ernest. Merci à Juno qui a assuré mise en ordre. Merci à Dr. Harrison de s'être mis disponible pour nous ce matin. Mon nom est Bichara Saint-Jean, déjà bonne écoute. À tous et à toutes. Donc, Harrison Ernest, bonjour, bienvenue sur Caramel. Bonjour, Bichara Saint-Jean, et bonjour à tous auditeurs et auditrices Radio Caramel, notamment toutes super branchées, émission Reconstruction, salut le PDG Radio Caramel là, Frein Action, du département paysan. Avec la diaspora, parce que notre émission est arrivée très loin grâce à la technologie que Radio Caramel utilisait. Permettez-moi de saluer tout le monde, avec sympathisants, amis, parti construit la vie, un jeune parti qui, justement, j'en ai dit déjà, retrouvé la catégorie 3 opposition politique actuelle là. Et donc, nous saluons tout le monde, toutes jeunes garçons, jeunes filles, qui ont réfléchi, qui ont travaillé, qui n'ont pas fait poté bourré, soit dans la catégorie 1 ou dans la catégorie 2, mais qui comprennent, il n'y a aucune bonne distance par rapport à l'opposition politique extrémiste et par rapport à l'opposition active modérée, pour permettre que justement nous ne pas prendre en piège le monde qui était toujours là depuis le départ, Jean-Claude Duvalier, et qui, je dis, a promettre. Pour changer le système. Non, merci un peu, Bichara Saint-Jean, mon ami. On est sérieux, dynamique, compétent, conscient, et qui, justement, que ce soit sur le sud, sur d'autres départements au niveau diaspora, a éduqué population informelle, formelle. Merci un peu. Merci infiniment, Dr. Harrison, parce que vous êtes disponible pour nous. Alors, bon, regardez avec nous, étant donné que nous-mêmes, on a capital là, comment est l'école là matin? Est-ce que les prend? Bon, et un petit peu compliqué parce que il y a des dérapages matin, non? Un petit peu compliqué parce que justement, hier, ça arrivait encore une fois hier, parce que il y a quelques parents qui mènent un petit monde à l'école, il y a plusieurs petits monde qui sont à l'école. La CAIMEO, la CAIPEO et d'autres collèges, et à partir de Sacré-Véan, et li carrément endommagé, gain conséquence sous efforts à apparaître avec certains petits mondes de fait. D'ailleurs, dans Pétionville, il y a des manifestants qui carrément étaient allés égoise et fouetter des parents dans l'entrée Pétionville, zone cimetière Pétionville, là. Ça a créé des conséquences, et puis, manifestants qui fait des attaques sur business, boule machines et wash cap voyer. Donc, quelle l'école t'as coup Dominique Savio et on l'école père qui carrément sort son note qui 10 semaines là, il referme encore. Donc, c'est mon conjoncture un petit peu compliqué, mais faut moins dire que capital là levé, ouais, soleil là bien éclairé là en pile rayon et puis il y a plus machine dans la rue. Hein. Ou bien l'impression à cause de virulence, ça passait hier, hein? Brusquement, et comme,
et raison papa avec Kakembe, ou bien pression moun ki fè mouvement hier, yo gon minimum de satisfaction, yo leve matin posé et yo peut-être a réfléchi, a communiqué dans téléphone et peut-être a dit yo satisfait de que pas prévoir rien pour matin. Donc ou bien pression si ti moun yo te leve à l'école matin, l'école la tap l'ouvri, mais malheureusement on peur qu'on crainte. Donc l'école là, elle est pratiquement kembe, ou l'impression direction yo refermé encore. C'est sa situation éventuelle. Bon, on souhaite vous permettre que Timounio reprenne le chemin à l'école sans problème. Maintenant, le problème est Corbyran. Est-ce que à Port-au-Prince les résoudre? À moi dit Jean Soudian que nous souhaiter et que l'école l'ouvre dans pays ça a fonctionné. Même si c'est à plusieurs vitesses avec toutes difficultés que le gagnant, parce que moi, on n'a pas parlé là, on n'a pas réfléchi. Et c'est grâce à l'école, oui. C'est capital. C'est extrêmement important. Il ne faut pas changement de système, non. C'est. On a commencé à bloquer l'école, bien que l'événement politique était toujours pour tes bagages, mais j'en ai fait là de façon à outrance, avec un pile pression, menace que des médias, que des radios, ces menaces même, amener un petit monde à l'école, sous ses parents, amener un petit monde à l'école, sans principal. C'est des bagages excessivement graves et ça montre que le pays n'a pas de dirigeant. Un journaliste, un journaliste, vous devez poser une petite précision ça avant d'entrer dans le cabinet. Un journaliste pas qu'à faire ça. Et moi-même, je ne pas connais, non? Comme si, même en temps de guerre, c'est que quelque part, faut que nous priorisions l'école là. Parce que quand même, si nous gagnons un type de société, nous gagnons là, malgré qu'il y a un pile dans nous qui fait effort, nous étions l'école, un pile dans nous, à l'école nous d'informer. Une société comme ça, si pas gagner l'école du tout, monsieur certain, une société ça, bon, on a fini par enterrer. Non, mais définitivement, ça, c'est là très important. Et nous pas parce que nous voulons pouvoir, nous voulons prendre pouvoir à tout prix, et nous ignorer l'école. Nous pas parce que justement, contre président Jovenel, nous voulons aller, il pas diriger, il faut me graser l'école, il faut me battre par un petit monde, faut me faire menace en radio. Nous pas pousser dans la radio pour me garder des journalistes là-dedans et puis pour me tendre. Il a fait menace à parents, pour me demander, il a dit, maman, papa, tout le monde sort, principal, pour me demander, il a dit, ne t'es pas allé, nous, pas de l'écoute, ça n'a le chercher, et pour me demander que, c'est nous qui avons fait des menaces directes, c'est intéressant, parce que, en fait, question l'école, là, les capitales, les importants, donc, moi, je crois que c'est des bagailles, et tous les dirigeants de partis politiques, les partis politiques en soi, les sénateurs, les députés, et moi, je suis supposé comprendre que, non seulement faut respecter tout le monde, jeunes, adolescents, question l'école, la capitale, c'est l'avenir au pays. Et finalement, c'est ça qui va permettre au monde, à travers l'instruction qu'on recevra, plus l'éducation, mais tout qu'on est, il y a des institutions, l'État, faut respecter, même gens respecter le drapeau, il y a des fonctions, faut respecter, question élection, faut respecter, et puis finalement, pour le monde, soit nommé ou bien élu dans une série de fonctions, il va falloir que vous alliez à l'école, au bon niveau, au bon profession. Donc, tout part de l'éducation et de l'instruction. Donc, question de l'école là, nous pas qu'à jouer avec. Et c'est pour ça que c'est fort. Tout le monde en a besoin. Vous ne pouvez pas qu'on lit. Vous pensez là, l'école là, son rempart, ça, vous pas qu'à traverser. Donc, vous pensez que, à un monde qui a empêché nous l'ouvrir bouche, nous, pour nous dire ça, ça capital. Ça fait du négatif, oui. Tant d'être nous, ça, ça poté. Même parce qu'il y a un pile de monde qui a pris à l'étranger, dans toute université, en bonne côté, il y a des monde qui changent de nationalité, ou bien, qui citizen, mais qui brille, c'est parce que y a de l'école là, même si c'est dans une section communale, y'a des très loin, t'as traversé pas trop, c'est dans une petite école, en bon pied, mango, mais ça te dégauche, ou permet, y'a aller dans n'importe quel lycée, ou entrer pour Port-au-Prince, dans l'université, ou partir à l'étranger. Donc, oui, seul non. Espoir pays, ça, c'est l'école. Oui, Emmanuel Kant, et monsieur t'a dit ça, c'est que nous sommes, nous le devons à l'éducation quand même. Et moi-même, clair sur ça. Mon par exemple, qui a prôné un discours de la sorte, il est très difficile pour moi de recevoir une émission maintenant, parce que quand même, moi-même, moi, je crois que nous ne pouvons pas empêcher que l'école fonctionne. C'est vrai, nous sommes d'accord que la situation est compliquée, l'heure est grave. Mais cependant, ben, il faut que nous gardions comment nous prioriser l'école. Et peut-être ça, tout, moi-même, dénoncer un ensemble de monde qui fait des attaques par rapport à un ensemble d'espaces et l'école, moi-même, je n'ai pas accepté ça.
Parce que quand même, si nous arrivons là, et nous arrivons là, nous n'avons pas enterré le pays à tout, parce que quand même, bah, c'est celle ça nourriture. Maintenant, docteur Harrison Ennes, est-ce que à Port-au-Prince, le problème carburant est résolu? Bon, pas du tout, pas du tout. Et nous, quand on prend sur le plan macro et sur le plan micro, on prend sur le plan micro, puisque question carburant, il fait plusieurs semaines, a fait pas l'empile, et ça qui fait un film du gain plus machine, c'est parce que vin gain plus pompe qui on petit gras nourri et qui bail gaz et gain moins machine cap bataille pour gaz et ou pas ou trop bataille ces jours-ci dans pompio mais cependant c'est pas toute pompio qui l'ouvre et ça qui arrivé monsieur t'ai expliqué ça monsieur qui charge de faire commande gaz yo gain des pompes. Imagine chaque cobaye ça fait commande par yo à passer par là. C'est-à-dire total café commande par et pour dans commande total là c'est diesel là bien et national qui fait commande par et pour dans commande par là c'est gasoline. Ça veut dire une bonne jouette là à l'évini qui pas permettre une stabilité dans présence toute qualité produit souterrain et pour ta et distribuer dans toute pompe en même temps. Et puis pour pompier, t'as l'ouvri en même temps. Ça m'a demandé une réflexion, tout en politique, pour ne pas parler de politique. De quelque part, docteur Harrison Ennes, c'est que l'État est censé perdre du contrôle et question carburant. Non, mais définitivement, lui remettre même. Et devinez, avant la dernière crise, son lago, à un certain moment, l'État décide de récupérer les questions gestion et carburant, commander ou se voile, etc., fait suivi avec Kobayi Souderen. À un certain moment, sous question d'être, yo de trop de cob, et public, la population critique, yo pour radio au matin, et c'est ça grave, là. Il y a des fois, il y a des mesures qui ont annoncé. C'est pendant, dirigeant, non, interview, à un journaliste, et puis, yo coincé, et puis, tout annonce en mesure, sans vous comprendre. Eh ben, c'est non comme ça, yo te remettre Kobayi, yo. Et question gazeuse, puisque il y a critique qui a fait sur eux, mon pari problème, ils vont remettre eux à combattre. Et depuis lors, dans quatre derniers locs là, ils vont remettre combattre eux. Question gazeuse, mais c'est une façon pour l'État qui est irresponsable, qui a doué, qui a une dette pour un pile monde, même j'en ai une pile dette, jusqu'à présent, pour confiner, honorer, on croit qu'il y a plus de 2 milliards de combattre toujours. Ouais. Donc c'est combattre eux qui fait commande gazeuse, pour compte pas eux, en fonction de volonté, en fonction de produit, ou du moins, côté yo gen ti lave yo à l'étranger. Donc laisse à gaz à rentrer là au capable selon moyen yo et selon qualité que yo joine. Maintenant pas gen personne qui gen contrôle de la qualité, ministère du commerce sous bluff. Donc gaz rentrer qu'on nécessite pour gaz privé et autant de difficultés que te gen récemment même si chauffeur yo commencé travail tant que yo. Mais maintenant question insécurité en toujours de mesure, même si pas gen trop scandale, trop plan mort. Trop attaque sur route Matissan, mais en fait, c'est l'envie. Il y a des vidéos qui toujours paraissent. Côté Negro, Bozon et Chamba, avec Gouza, mais a fait vidéo là. Donc, toujours concret. Maintenant, ce n'est pas tout pompier qui l'ouvre. Et puis, dernier élément, nous avons considéré en termes d'observation, nous-mêmes, dans le niveau parti consulat, nous fait. Comment on veut, dans gros crises, où l'État n'a jamais arrivé pour une disposition, dans une réunion formelle, discuter, pour que nous avons dit, bon, puisque depuis un bateau gaz qui rentre, pas de problème gaz encore soi-disant, eh bien, on nous prend une décision pour que toute pompe, tel jour l'ouvre, à tel le, tout a commencé par gaz à tel le, pour permettre que, pas de qu'une bataille qui a fait, parce que toute pompe l'ouvre, tout le monde a possibilité d'acheter gaz sans problème. Oui, non, et ça cette décision n'a pas été prise, chaque gouvernement pour vous, le bébé. Oui, non, et même mon qui provoque et marche là, parce que quand même, faut demander des côtés mon cap vanate yo même yo jeune gaza qui est-ce qui ba là qui les prend parce que quand même moi mon nous vanne et devant pompe yo vanne quand même à l'aise effectivement et na yo louvri pompe yo gade mon yo vanne na yo louvri pompe yo la nuit moi même moi levé à 2h du matin malgré ça na yo louvri pompe yo puis y a vanne moun y a vanne moun et la journée au fermé. Et de tout mon abdomen yo louvri pour vanne moun yo vle et puis la nuit yo fermé mais système mafia ça c'est son bail privé public et même jour et tout le monde connaît qui est-ce qui gagne pompe, il y a de nouvelles pompes qui rentrent dans le pays.
Il y a de nouvelles particulières. Il y a des gens qui sont dans l'État. Bon, naturellement, nous ne pouvons pas écrire contre personne. Nous ne pouvons pas écrire contre personne, au contraire. Et si il y a des gens qui ont l'argent, qui décident d'investir en dans le pays, c'est très bien. Ouais. Parce que ces services à vendre, nous comptons. Mais maintenant, il y a un problème, oui. Il y a un problème d'éthique, il y a un problème moral. Et il y a un problème de délit initié, il y a un problème de corruption, là. Et ouvrir le en dans l'État même, et si ça fait un peu de scandale au niveau de la Cour supérieure des comptes, et autant de grands bandes magas qui va faire, et institution qui là pour vérifier les contrats, pour regarder est-ce que ce contrat est clair, est-ce que le contrat est respecté les termes de référence, et ouvrir le si on est dans l'État, et on peut prendre des décisions pour gagner pour encore son problème. Ouais, hein? Ouais. Son gros problème. On va faire machin de gaz, et puis c'est aux autorités l'État, c'est aux cap faire contrat à privé. Donc, son mélimélo qui vient de l'arrière, c'est ça qui fait bagaille, il est très difficilement contrôlable, planifiable, voire pour exécuter dans l'intérêt de la nation haïtienne. Donc, moi, je pense que là, et ça fait des oufons de bagaille, il faut garder bagaille sur le plan micro. Et sur le plan macro, bagaille extrêmement compliqué, son spaghetti qui empêchait que justement, malheureux, mon nakati populaire ou bien, mon affaire par bon, mon qui bat travail, mon qui n'a misé, qui n'a souffrance, et surtout si là, yo, qui n'a section communale, yo, paysan, yo, qui compte seulement sous terre, sous de l'eau, sous sa plantée, pour le produit. Et puis, on récolte pour y aller. Et, ou imagine, on a qui difficulté les mouns à jouer, les pays bloqués, si ça y'a produit pas qu'à aller, ou bien y'a pas qu'à aller dans le marché, y'a pas qu'à mettre dans le camion pour y'a pas de presse. Pas y'a personne, mouns, non, qui a réfléchi sur ça. Sinon, que ou même journaliste, média, y'a, qui a posé problème, y'a, et certains leaders politiques, qui, peut-être conscients, de situation, ça y'a. Moi, je crois que c'est là qui fait au bras des mouns, qui dans la rue, qui a réagi, a fait violence parce que justement, c'est un grand courageux. Oui, bon, pour du pétrole, de toute façon, tout le monde connaît, monsieur certain, mais le monde qui n'a pas. Transversal en plus. Oui, transversal stratégique, parce que quand même, si vous voulez, vous avez utilisé le contrôle, depuis l'État a dit le contrôle là, un bon matin, vous avez utilisé le contre président Jovenel Moïse, et puis ça, quand le président, quand même, dans le courrier. Maintenant, Dr. Harrison, alors avant, allez, bonjour, ton petit point, tout petit. Et l'attendu, monsieur, bon, premier ministre la paix, baron qui s'amène d'elle, démissionnaire ou autre, baron Brenjot Cap Joyeur, et qui fait un pile intervention très actif sur les médias ces derniers temps, fait des promesses, un pile réunion fait pour attendre une décision qui sortit à propos de réunion. Ça. Mais, n'a-t-il fait diesel l'avancer comme si c'est Grenec qui sert à diesel. Ça m'a grave. Moi, je n'ai pas la voix là, mon machine, c'est diesel lié. Est-ce que son bourgeois mieux? Est-ce que son grenègue mieux? Que camionnette qui diesel? Taxi qui diesel? Que plusieurs machines malheureuses, qui ont fait faire fond de classement, c'est diesel lié. Donc, n'est-ce que en train de monter diesel là? Soit disant, soit quitter le gazoline, non, comme ça, bien retiré. Mais maintenant, on dit tout le monde qui a servi avec moteur diesel. C'est un grenègue. Bon, mais qui a une grosse maquette là? Mais qui est gros factory, hein? En pile l'autre business qui a servi à diesel, même là, quand il y a, dans motel, dans génératrice, les bombes d'eau, le market, l'acheter diesel là, parce qu'il augmente. D'après vous, d'après nous, le l'acheter le pichet, il va le monter pour produire dans ma tête là, tout calte produit, mais qui est-ce qui a payé? Sous qui est-ce qui a payé? Incident sur le monde qui peut faire mieux. Comme si moi ou à malheureuse qui au cas là, pas entré dans la tête, pas qu'à nous besoin pour nous servir l'huile par exemple. Il va le monter, mais qu'est-ce qu'il a subi? Donc ça veut dire, c'est pour montrer son véritable démagogie, hein, qu'a fait, c'est pour montrer qu'on n'est pas sérieux, pas réfléchi. C'est-à-dire, véritable bagaille là, c'est que nous connaissons le président Jovenel focus sur la durée de son mandat. Mais maintenant, le contenu, il n'y a pas de monde qui peut dire réfléchir sur eux, parce que le bon conseiller était en bas qui beaucoup d'elle, qui a pris l'intérêt par eux, le bon nec qui a tombé président, qui mettait dans sa lui là, et président l'y dépassé par les événements, toute réflexion qu'a fait sur ces deux réflexions tête en bas, qui va permettre de rentrer dans le monde, et c'est ça qui fait tout ça qui a passé là,
qui mettait pays en tête en bas, si nous ne à l'école, pays écrasé, machine nous a écrasé, business nous a prendu le feu, les commerçants viennent dans le business nous a volé, et puis, on l'opposition extrémiste, on donne l'autre monde qui est dans l'opposition, ferme un bouchon, et puis, pays les gens sont là. Maintenant, séance et ratification, Premier ministre nommé, Dr. Harrison Ernest. Bon, je ne vais pas parler des séances parce que quand même, nous regardons, séance quand même, il était annoncé hier, et puis nous regardons comment ça a fini, ou même comment vous vivez et ça comme étant un chef de parti politique. Écoute, c'est très important que nous avons analysé ça. Mais maintenant, je ne vais pas comprendre. Et nous-mêmes, dans le niveau de la vie, nous disons ça. Il y a après-midi, encore, on rencontre des gains. Je ne peux pas comprendre tout le monde, ciel là bleu, sur exemple. Et puis, le Bichara a fait interview à divers responsables de partis politiques, ou bien divers membres dans la société civile, ben dans la population, dépendamment de l'intérêt personnel, ou bien de côté le branché, ou bien de monde livré, ou bien de l'autre livré, ou bien de magaliment de jeudi à. Li pa joine, li mande enragé, ou bien après demain joine ni li bon zanmi moun. Et puis moun sa décide ou tout, li wè ciel la rouge. Et non semaine en gros, même moun zan pa lavel, li dou ciel la jaune. Donc nous sou menti, nous sou bluff, mes problèmes pays. Et c'est ça qui a passé exactement, soit au niveau de l'exécutif, au niveau du parlement, au niveau de l'opposition actif extrémiste, et au niveau de tout l'autre tout. Maintenant, ça qui passe, c'est la différence de ça qui passe en septembre, non, Bichara. Mm-hmm. C'est comme ça, nous-mêmes, nous comprenons. Il va différent de ça qui passe dans le Sénat déjà, de ça qui passe en Haïti de façon générale. Mais qu'on y a un problème, on a cherché à comprendre. Parce que quand même, il faut chercher à identifier côté problème non, situé. Est-ce que quelque part, M. Saoussi, Premier ministre, il a parlé? Ou bien il y a pas une question Premier ministre avec le président Jovenel Moïse. Et là, ma privée. Et attendez, et comment prendre comme ça pour me retenir dans un groupe là? Et point rouge là dans un groupe là, c'est que en réalité, tout le monde connaît qu'il y a besoin de jeter le président Jovenel Moïse. Son bataille de plus de 2 ans et demi. Mais il n'y a pas en train de fonctionner à président Jovenel Moïse, il y a besoin de jeter là. L'opposition qui besoin de faire ça, c'est des mecs de souche Lavalas. Vous voyez, il y a des mecs qui n'ont Lavalas toujours, mais des mecs qui n'ont Lavalas toujours, ils ne sont pas véritablement en tant qu'opposition directement pour Apmenel, parce que la famille Lavalas lui-même, il y a besoin de jeter le président Jovenel Moïse. Pourquoi tu parles? Il y a besoin de chavir aujourd'hui, c'est quoi cette parole? Et ça fait eux-mêmes, ils ont érigé en roi, ils ont tout continué à fonctionner pour continuer. Il y a des dissidents de Lavalas que nous avons besoin de citer, non, et qui toujours propose à parler sous le nom Lavalas, et famille Lavalas courir derrière eux, qui en dans opposition, opposition active, extrémiste, pour nous capter clair, qui est un secteur démocratique là-dedans, et ils ont fait une grosse activité, mais récemment, et ils dit là, c'est une alternative consensuelle là, je dis, ils ont dit, ils ont uni, ils ont une alternative tout bon à président Jovenel Moïse, yo préconnient pour international là, plein international là, yo pas gagne même problème avant. Donc même temps nèg ça yo en pile là-dedans, c'est des dissidents là là, c'est des extrémistes, en pile là-dedans c'est des nèg qui débuté plusieurs fois, qui sénateur plusieurs fois, qui ministre plusieurs fois, qui n'ont pouvoir depuis au moins 20 ans et gagne là même depuis le départ des Duvaliers, de Jean-Claude Duvalier, et ben nèg sont végété président Jovenel Moïse et a bataille depuis sous président ancien président Michel Martelly, yo combat Michel Martelly, yo combat l'arrivée de Jovenel Moïse et yo combat Jovenel Moïse c'est yo. Donc nèg yo utiliser toute argumentation, tout argumentaire, tout artifice, même si des fois yo gen raison par rapport à des événements malheureux passant dans rien qui relevait du crétinisme exécutif ça notamment le président Jovenel Moïse. Donc Maintenant, excusez-moi de m'ajouter ça. Ouais. Mais tout, en normalement, à travers une certaine entité que est la presse institutionnelle, et parce que M. Opposition Sario
février, au fait 17 octobre, au fait 18 novembre, au fait 7 février, au rive, mettez un pile monde dans la rue, un pile monde, t'es prend la rue. Eh ben, au rive, fait mobilisation, mais au bras, l'échoué, récemment, et non, on sait de mouvement, au fait pas de jamais réussi, c'est à travers la branche institutionnelle, qui gagne Don Gato, sénateur Antonio Cherami, qui gagne Nenel Kassi, et qui gagne Evalier Bouplan, Ricard Pierre, et qui va rejoindre par, Yuri La Tortue, qui vient, à travers une enquête dénoncée, qui va venir, qui va rejoindre sénateur Lambert, qui va renforcer récemment notre sénateur, et tant qu'au sénateur Grandens, Jasset, qui va faire que branche institutionnelle la prend foi, et qui va mettre, l'huile sous du feu, qui renforcer opposition dans le secteur démocratique, et ça fait au fait mouvement Mimbalé récemment, et ça fait au manifestation au fait avant hier là, qui prend, et c'est eux qui, justement, pour aller faire mouvement hier là. Eh bien, mouvement hier là, justement, encore une fois, c'est pas Chita fait débat, c'est pas Chita fait séance, mais c'est craser séance. C'est empêcher séance, c'est la seule stratégie, c'est eux clair avant définitivement, de pas entrer dans faire séance à coquin. Et sénateur d'un gars de ce matin, hein, de pas en faire séance à coquin. Donc, ça veut dire que l'éclair, n'a pas jamais bien séance, même si majorité a, à chercher faire science. Il faut que vous précisez, effectivement, majorité elle-même, son majorité, mais pas, qui veut juste paraître, sans faire débat, discuter, Jean Garibaudou te fait là, paraître avec une proposition, donc quantité parlementaire qui dit bon, y'a vrai, y'a même, pour voter, et puis on passe au vote, on vote, et puis c'est fini. Oui, donc, on n'est pas d'accord que le Premier ministre a passé, on n'est pas d'accord que le gouvernement a passé, d'ailleurs, le Premier ministre, c'est pas l'homme du moment. Yodou, monsieur trop corrompu, de quelque part, que ce soit le bosim, non. Oui, mais nèg yo, ou gen pression, gon bagay yo derrière, qui finalement avait fait quoi? Est-ce que nèg yo voulait faire président Jovenel, qui te veille en vrai, retirer président Jovenel sous pouvoir? Est-ce que nèg yo bagay des bagay que finalement y a cherché? Tout à l'heure, mais gen yon bagay, pour nous aider, vous comprenez, bien que après ça, m'a gardé question pour le ministre, et proprement dit. Maintenant, on dit que gen yon phénomène pays lok, nous te gen dans la rue, mais soit suivre actualité, soit suivre ce qui a passé dans la République, hein, ou gen l'impression que étant donné que entre guillemets pays lok dans la rue li ont ti gens stoppé li pas prend Jean Bolta prend encore est-ce que quelque part nèg yo pas entré dans une dynamique transporter question pays lok là yo entré dans d'abalement laisse-moi te dire et là nous dit auditeurs je comprends bien que il y a saute lok là et li peut-être rester toujours là jusqu'à minute m'a parlé là mais ces populations de façon générale pas peur pas crainte mais avant avec question gaz là yo tout obligé les placards yo pas gain gaz encore pas gain machine devant la rue et petit à petit c'est ton média qui a chauffé question hein on radio qui t'a mis des pressions et puis aider nèg yo ouvertement et nèg réel et le demander personne pas répondre pour yo dire c'est au fait mais elle question pays l'autre là pas gain personne qui revendique même syndicaliste, même syndicat de transport, yo, yo pas revendiqué. C'est à travers, justement, et ça qui passe dans le Parlement, en septembre, non, qui va le faire, n'est-ce commencer à mettre pression, et c'est à travers ça qui passe, et dans la manifestation avant hier, là, c'est à partir de la manifestation, n'est-ce va le commencer. Leur force était de récupérer les questions, et hier, ils ont récupéré le net. Donc, l'oc là, jusqu'à aujourd'hui, mais yo yo pas ka vertement c'est yo là c'est tout le monde qui réagit il y a des monde qui est énervé contre pouvoir en place la mauvaise gestion de question gaz la pompe qui ferme et nèg yo yo pral prendre contrôle question à travers et bref institutionnel opposition genre les têtes yo qui utilisait de militants pour la plupart de jeunes de tichène qui actionnaient zam nan men yo qui te fait pression 11 septembre en dans là et qui hier bagay la pral pi grave nèg yo retourné et hier c'est pas casé brisé seulement c'est la gué matière fécale glousse dit même sénateur prend bagay attaqué machine sénateur jusqu'à ce que gen scout zam qui tire etc et on pral wè sénateur sa yo yo nan tête et actionnaire à tout faire les chimères yo sorti deux scénarios yo monté juste sur route frais et c'est yo qui pral nan Pétionville fait casé brisé donc bon l'autre stratégie j'en saute dire
c'est des sénateurs qui n'étaient pas tout, qui a marché et qui étaient instigateurs, qui ont pris les côtés pour aller, etc. Donc, on a une stratégie bien définie et qui visait sénateur majorité autour. Et c'est ça qui fait sens que devine très, très compliqué. Maintenant, qui ça, monsieur, ça va chercher? Est-ce que c'est vous, le président Jovenel Moïse Allais? Parce que le parti lui, je ne vais pas aller national hier. Hein? C'est le sénateur à chercher. Et donc, même je pense que justement, les gens qui ont le bagage là, ils ont cherché et mettent pression pour demander au sénateur majorité au Chita pour négocier. Et ce n'est pas fait séance pour mettre le premier ministre qui est là avec le gouvernement. Kounia Bamgade avec vous, Dr. Richon. On dit nous retrouver quand même empêtrés dans une situation côté que. Solution pas trop facile, mais quand même, chef l'État, li gagne intérêt pour que plus ou moins, li cherche, m'dakabdi, atténuer conflit qui gagne dans le Sénat actuellement par rapport à la question du Premier ministre. Maintenant, nan kasa, qui sa président Jovenel Moïse, li gagne, li taka joué sous lui pour que plus ou moins, nous, et garder comment nous capables plus ou moins finir avec le problème ça. Avant de venir sous le président Jovenel Moïse, Oui, non, m'a regardé par rapport à ça qui a passé dans le Sénat. Oui, ah oui, eh bien, justement, oui, c'est dans le Sénat, d'après aller. Bien content de préciser, M. Herville, c'est là, d'après aller. D'après aller, le président, M. Rita, en silence. D'ailleurs, oui, vous les bons pactes là, sous question l'ONU, personne ne peut vous connaître, c'est pas le chargé d'affaires, le ministre des Affaires étrangères qui va l'intervenir, nous carrément en place, président. Même si le président dit non, non, la présidence instruit. Le ministre des Affaires étrangères, pour le prêter de délégation, mais notre, ça pas politique, le président va partir. En tout cas, à suivre. Maintenant, mais quoi que le président, monsieur, lui, il montre qu'il est capable, lui montre qu'il n'est pas caché les situations, hein, bagala, lui, non, mais Sénat de la République, là, même le président Cantal, il y a une situation très compliquée, parce que dans fief, il y a un Godaïve, on va le avec partisans, ils ont la torture, ils ont attaqué la clinique, monsieur, ils ont bombardé, monsieur, ils ont mis du feu, son gros brisson, et attaqué, et responsable bouclier à tout dans Gonaïve. Et donc, qui en face, ils ont la torture, c'est deux ennemis, deux anciens amis, qui viennent deux ennemis. Donc, maintenant, président Katav, avec majorité, je dis, ils ont une situation très compliquée, Katav doit faire là, je dis, eh bien, faut président Jovenel Moïse accepter Chita avec. Et Mbakadi du président encore, puisque je suis débuté en vacances, c'est le Sénat qui a un problème là. Faut qu'un TAV qui a dénoncé indirectement le président Jovenel Moïse exécutif là, il fait indirectement. Parce que l'élite, lui fait toute sale qu'on est pour le ministre de la Justice avec et la police, une base sécurité, ça que tu as fait. Lui dit c'est dans un haut niveau. Vos responsabilités que papa on est au niveau, on boycott qu'a fait le haut niveau. Et ça va la présidente Jovenel directement. Donc, faut monsieur Alcita ensemble pour y'a clair, que y'a tous les deux face à une situation extrêmement compliquée que vos relations assument. Donc, est-ce que tu connais, Dr. Harrison, tout à l'heure, est-ce que tu connais, dans le couloir palais national, y'a pas un cantave pour un nègre qui manquait leadership, et c'est ça, il dit, qui fait que, quand même, séance n'a pas jamais fait parce que M. Bam fait preuve de leadership. Notamment Liné Balthazar, notamment Liné Balthazar que m'a reçu dernièrement. M. était clair sous position, il dit bureau ça, et bien, il n'a pas fait preuve du tout de leadership. C'est ça qui ban sa n'y en a Sénat. Effectivement, l'horizon Randal, bon, gros problème. De déficit de leadership. OK? Donc, évident, ça fait quatrième tentative. Maintenant, bon bagaille, et couloir palais national là-bas, il faut, on va quitter une sortie. Et, c'est sujet, ça me débatte, je suis choisi de débattre. Et, peut-on faire confiance? Et, à ces deux hommes. Et, m'a parlé de, sénateur, quand tu es président du Sénat, et Yuri Latouchi, et son cousin, qui est de l'opposition extrémiste active, à Brevren en gros. Sénateur, quand tu as ses cousins, Yuri Latouchi, lui élu sous Kid, lui abandonné Kid au profit de AAA, il vient mettre tête ensemble à Yuri Latouchi,
Et la tortue aller dans l'opposition, dans face pouvoir. Lui, la tortue, notre tête, ça qu'a fait là, là. Comment comprendre pour le président du Sénat, que le président de la République, côté sous lui, hein, côté sous lui, même s'il t'a supposé neutre, eh bien, c'est le président du Sénat, ça, qui mettait ministre dans le gouvernement, ça, c'est cousin, sénateur Yuri Latortu, qui en flèche, dans la tête de l'opposition institutionnelle, dans la tête du mouvement qu'a fait hier, et c'est même Yuri Latortu, ça, qui propose hier, qui était fait le 11 septembre pour Cantave, qui avait des Cantaves sortis dans sa lieu-là, qui encore avait essayé d'aider par rapport à même à ce qu'il fait sous le Parlement. Donc, de quoi parle-t-on? Non, c'est. Dr. Harrison, faut pas ignorer que le par exemple pour Cantave, tu es une président Sénat, faut pas ignorer que pour un pile monde, bataille qui était faite pour M. Terrivé dans la tête Sénat comme président, c'était quand même sénateur la tortue qui menait toute bataille là. Eh bien, Magala, vous dites là, où en force moi? Oui, non, et vous me expliquez. Non, et vous me expliquez que quelque part, comme si nous comprenons ni comme ça, comme s'il n'est pas légitime quand même que en pile monde pensait que Jouet Kabjoua, Cantave, quand même, l'Ien doit cautionner de près ou de loin. Écoute, si Cantave, comme président du Sénat de la République, ne peut pas être de l'opposition, tout le monde comprend ça. Deuxièmement, si Cantave, comme président du Sénat, qui est supporté par son cousin Yuri Latortu, est de l'opposition, Cantave, de loin, n'est pas qu'à montrer de l'opposition, n'est pas qu'à montrer avec l'opposition institutionnelle là, mais Cantave, son gros bras AAA, il fait retourner, liberté avec Yuri Latortu, mais ton ministre en gouvernement, pas doué dit qu'il va abandonner Fief Ligonaïve, qu'il va abandonner Cousin, qu'il va abandonner, justement, objectif, cousin gagné. Donc, je dis, faut pas de national à président de la République, là. T'as qu'à faire recul pour bien réfléchir, pour regarder dans quelle situation Cantavier, pour comprendre que, comme président du Sénat de la République, Cantavier même, t'as pas rien pour l'abandonner cousin, abandonner AAA, abandonner la Thibonite, abandonner Gonaïve, surtout après frac libre là, hier, pour la foncer, hein, pour la risquer tête, pour que justement, libre le gouvernement passer. Mm-hmm. Donc maintenant, quand ça va toujours à travers les médias, fait tentative, fait séance, fait des déclarations, mais vérité là, de toute façon, les jours passent, tout le monde va le classer, même genre tout. Et maintenant, c'est parallèle, ça me tout bas ou lit tout, parce que c'est le deuxième sujet qui a dominé l'esprit. Attendez, mm-hmm. Est-ce qu'on a fait confiance? Le sénateur Joseph Lambert, proche du pouvoir, proche du président Martelly, proche du président Jovenel Moïse. Il est dans l'opposition, oui, mais en bas pouvoir, ou bien Jean-Michel Lavé, premier ministre démissionnaire, président Jovenel Moïse, quoi là-dedans. Attendez, de quoi parle-t-on? Joseph Lambert, notre opposition institutionnelle, là, et puis Jean-Michel Lavé, bon côté, président Jovenel Moïse. Donc, son jeu de mettre dame, comme je l'avoue, même. Oh, oh, ça va passer là. Et puis, peuple là, lui-même, qui s'allie. Insécurité dans la rue, business son apprécié, gaz va gérer. Et puis, président Jovenel Moïse, comme si, lui propose pas comprendre, lui connaît Jean-Michel Lapin, et puis Joseph Lambert, en tête d'opposition. Et puis, président Jovenel Moïse, après. Bon, sénateur Cantave fait séance, et puis cousin sénateur Cantave, il a dit, il a dit, il et puis notre mouvement a fait tout. La population comprenne clair, c'est un cap passé, le président comptable, président confortable dans sa capacité, il a fait un jour passé, jusqu'à ce que l'année a fini, et puis nous arrivons deuxième lundi mois de janvier. Ok, bon, je vais faire la question, et puis ministre Dr. Harrison. On dit que par rapport à la situation, il y a un pile monde et un entourage pouvoir qui était souhaité quand même que le président républicain sur soi sous question premier ministre et Fritz William Michel. Est-ce que dans le cassage en situation, vous pensez que c'est le meilleur choix que le président a fait? Écoute, il y a un peu de choses à faire pour peut-être. Ça, vous allez là. Peut-être. William Michel à tout gouvernement.
y a perdu le sénateur Lambert, peut-être William Michel, et le gouvernement. L'opposition institutionnelle a été renforcée à cause de ça. Maintenant, c'est ton question de gaz avant, c'est pas question de gaz encore aujourd'hui. Hier, le gaz va pas lui-même. Son question William Michel et le gouvernement, ça pas tout est là. C'est justement argumentation opposition ça dans la rue qui a crasé brisé hier. Donc, un non-valet national, il y a un parti monde qui n'est pas d'accord avec William Michel et le gouvernement. Ça veut dire, nous sommes un non-valet national. Il y a un pour jouer une opposition ça dans la rue. Oui. C'est là, oui, machiavéliste politique qui est là dans sa capacité en Haïti. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dis là, William Michel, à gouvernement ça là, qui c'est gouvernement, premier ministre, Garibodo, avec un gros baron dans le secteur privé, eh bien, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord avec elle. Eh bien, je dis en président Jovenel Moïse, lui-même tout. Premier ministre, ça, gouvernement, là. Il va venir tout noir. Mais pas premier ministre, pas la gouvernement, pas l'eau. Mais ça fait le même. Oui. Ben, moi, forcer, parce que quand même, il y a un peu de monde qui pensait que si président. Oui, si président Jovenel Moïse Tivlé et premier ministre Fritz William Michel, pour un peu de monde, ils pensaient que dès que le défi fait nomination, un peu de monde pensait qu'il allait installer. Ou à quoi vous allez mettre le premier ministre là, peine devant, à marcher par les radios, à faire rencontre, à prendre décision, à réfléchir sur la question gaz. Ok, qu'on y a d'autres personnes. Il est toujours inconfortable, mais il fait silence. Tout à fait. Tout le monde. Bon, fait considération ça avec vous. On dit qu'il y a une tentative qui était faite, même si il y a un peu d'inquiétude qui était planée, est-ce que le président voulait et M. Absil Bavlin? On dit qu'il y a une tentative qui était faite pour que, regardez, est-ce que il y a quand même installé premier ministre nommé. Est-ce que vous pensez, si par exemple, le président Jovenel Moïse, il est entré dans la logique, dans une démarche pour que l'installer monsieur quand même, est-ce que yo mon opposition ka prend comme provocation, est-ce que ça ka empiré situation? Président Jovenel très intelligent, question installo a parlé à président Jovenel parler de ça, mais si les ratifications fin fait dans Sénat et c'est là la joue sur faire ratification politique générale là il a installé d'ailleurs, hier, ce n'est pas installation au gouvernement, ça n'a jamais été le cas. C'était ratification politique générale. Ouais. C'est la président Jovenel intelligent à jouer sous yo. Maintenant, autant yo pas qu'à faire une ratification, pas besoin d'une installation, parce que le président Jovenel Moïse n'est pas premier ministre par là, n'est pas gouvernement par là. Au contraire, la quitté yo, bataille entre yo, pour jouer pas, c'est temps passé, 14-15 octobre, c'est demain, oui, Bichara. Bini pour l'entrée dans le pays, Nations Unies pour venir dans chaque ministère, Nations Unies pour le président dans le palais national dans la vie et laisse aller l'opposition pour faire mouvement international là souterrain pour négocier politique, parce que cette mission, contrairement à toute l'autre fois, va être une mission politique. Ça veut dire, blanc pour venir parler dans la politique là, blanc pour venir discuter dans la politique là. Pas des affaires blanc et pour venir faire la police. Il va là pour politique. Blanc, c'est politique qui va venir faire dans toute institution. Donc, ça veut dire, opposition va venir discuter politique. Elle dit, le président Jovenel Moïse, dans tête, il va bien accompagner pour discuter politique. Elle veut dire, d'ici 15 octobre, si nous ne pas jeter le président Jovenel Moïse, la difficile pour lui, parce que blanc va là, blanc va entrer dans la discussion, pour l'accompagner, soi-disant, dialogue ou bien négociation pour le faire. Maintenant, le président Jovenel Moïse, je suis ça. Le deuxième élément, c'est quitter les gens battent entre eux, tout le monde battent entre eux, parce que le président Jovenel Moïse, ça fait 3 ans, la bataille est compliquée, le peuple a vécu quand même. Malgré mon mourir, le peuple a circulé quand même. Malgré leur fait, le peuple a habitué à l'autre. Il n'y a pas de problème, ça du tout. Donc, la quitter le jour passé, et deuxième lundi du mois de janvier, on va voir qui est-ce qu'il devait. D'ailleurs, l'autre élément, monsieur Allo, c'est que le président Jovenel Moïse met maintenant la mâchoire. L'a regardé qui le fout sous William Michel, pourquoi a-t-il démissionné? Il quitté, il y a sale fout sous William Michel, il va le mettre, il va le choisir. Et on va le voir, Garibodo, qui est avec, par un secteur privé, il va le mettre, Garibodo, à Washington, il jette-le,
Donc, son situation très machiavélique, je me suis dit, les 4 jours là, le président fait silence, l'a regardé, l'a suivi, parce que tout côté du président, il n'est pas capable. Ça veut dire pas mettre situation. Donc, la tonne, c'est jour pour passer qui peut voter solution. Oui. Tout à fait. Maintenant, docteur Richon, nous allons refermer, mais malgré, et sans pile le monde redouter, qui c'est quand même deuxième lundi du mois de janvier. On dit, de toute façon, chambre députée à lui-même, la baie talonne. Alors, on dit, le peuple a fait carré à souffrir, là. Oui. Pour nous, il veut pas comme un monde a pourri, comme un monde a fait team encore, et puis le peuple a mis plus. Problème gaz direct. On a deuxième lundi mois de janvier. Tout à fait. Et chambre députée à l'IPRALE, il y a un débat qui a fait, et est-ce que c'est un tiers, c'est un agbalé ou bien deux tiers, ou même c'est un tiers ou bien deux tiers qui a et pourquoi tu conçois la vie deux tiers, c'est un agbalé, et puis parlement dysfonctionnel. C'est clair et évident. Ok, maintenant, on dit, de toute façon, président pral quand même trouver une situation pour que les constater caducité parlement et dirigé par décret. Maintenant, est-ce que vous pensez, président, a bien moyen de politique pour que l'y arrive dirigé par décret? Maintenant, bien content. Maintenant, faut nous dire que capable de gagner une situation, capable de gagner une situation qui mène à caducité à sans deuxième lundi mois de janvier. Si, après ça qui passe hier, là, après ça qui passe hier, si bagages sont persistés toujours et que les sénateurs de la majorité carrément au compte que yo déçu seulement écrété pour sortir tête dans ça et là par exemple c'est à un démissionner la majorité démissionner et yo quitter minorité en pour col la majorité a démissionné c'est parce que yo gain espoir que à partir de deuxième lundi mois de janvier que yo même donc, a toujours autour du président comme conseiller, etc. Donc, il a démissionné, il a baillé, ma minorité a. Et Chandon, laisse à tout calcul à faire là, il va même nécessaire pour entendre le deuxième lundi mois de janvier. Donc, il mette minorité à en difficulté. Deuxième cas de figure, ça c'est pas confortable. Tout à l'heure, ça a très difficile de la mesure où, quand même, Guénan nèg qui a soutenu le pouvoir là, qui bralé en 2023, Manda a fini en 2023, il a dit, pour dire qu'il a pris un gros chance ça, comme si mal démissionné, alors que il n'y a pas de clé pour le président, il y a tout ça tout. Mais d'accord, avant, naturellement, ça, il y a un bad dili, de la mesure que il y a un cadre intérêt purement personnel, moun qui demande qu'il a fini en 2022-2023, et donc, maintenant, ça pour être que deuxième lundi mois de janvier, la caducité, la dysfonctionnalité, le dysfonctionnement du Parlement ou bien caducité du Parlement, eh bien, l'a touché. Mais qui demande à la fin de 2022, oui, l'a touché. Donc, d'une façon. Oui, mais il y a toujours un frère à tourner l'argent. Il pourra le dépendre du président de la République, là, quand même. Mais quand le mandat a fini en 2022, il va dépendre du président. Donc, il est d'accord entre nos logiques avec la majorité, hein, parce que nous avons subi. Pas oublier que des militants commencent à entrer dans les âmes, attaquer le Parlement, attaquer le sénateur. Et le sénateur commence à retrouver dans une situation où il y a les âmes qui tirent. Et bien, ça, il commence sur le journal international. Donc, c'est des gros causés qui parlent là. Ouais. Donc, maintenant, le Parlement étranger, il y a un jour à ça qui passe là, non? Quel Parlement haïtien, quel Parlement en France, quel Parlement aux États-Unis, en République dominicaine, pour association de parlement à travers le monde, oui. C'est-à-dire, parlementaire après tête, et respecter parlementaire, quel que soit pays. Ça crive là. Si parlementaire hier, là, qui dit nos situations difficiles, et puis j'ai réalisé un même tiré. Là, on débute en sénateur dans le pays, tandis ça. Il y a des gens qui pas posé question. Il n'y a pas le coup, il dit, parlementaire a tiré au monde, non? Il y a un tête qui va le mener, oui. Donc ça veut dire que, là, on va passer au niveau du parlement. Il touchait les parlements étrangers. Il va regarder nos gens. Donc maintenant, si nous décidons de dire une situation difficile, nous n'avons pas démission, nous bien boudeur. Même si nous n'avons pas montré que c'est pour appuyer le président, nous avons habitué à faire deal bon intérêt. Conservons le mandat pour 2023 avec espérer que justement le président de la République, là, il va rester en poste, il va constater qu'il y a du CDA et nous allons faire battre la présidence sur le terrain. Pendant que minorité, c'est terrible avec
équipe qui était avec au souterrain, bataille a fait depuis 2 ans et demi, qui va pas les résultats. Mais négro, mais minorité, c'était la vraie. Et puis majorité, c'est avec le président au rallye pour mener une bataille là, dans le niveau au pouvoir, pour côté international là. On dit, gros bataille qui va le faire. Oui, gros bataille. Je montre que deuxième lundi, le mois de janvier, il n'y a pas seulement constat et caducité de volement à partir de départ de tiers là. Il y a de l'autre joueur qui vient jouer à partir même de l'application aux fraîches dans la population hein, et d'attaquer physiquement des parlementaires. Parce qu'il y a 100 000 dollars qui attaquent les personnalités dans le diorale dans la justice. Mais à partir de hier, il y a coup de zame qui tire dans le parlement. Parlement écrasé et même le président Kretav. Monsieur que monsieur Poko, ça vous le fait là parce que la situation est extrêmement compliquée. Non, très difficile. Maintenant, on dit, docteur Harrison Ernest, que le président et Jovenel Moïse, quand même, même si on n'a peut-être pas les droits de diriger par décret ou bien tarément diriger par décret, on a dit, quand bien même, même si les droits arriver dans une situation, il n'est pas capable, mais on dit tout par rapport à constat qui fait, c'est que l'opposition, quand même, pas arrivé des moyens pour que. Yo chaviré président. Maintenant, on prend pour on prend et lettre Clarence Renoir lui-même lui écrit à président côté lui proposer ou bien démission ou bien un accord politique. Est-ce qu'on pense la considérer au fait que président il n'a pas gain moyen politique lui pour que lui diriger par décret. On prend pour acquis que opposition quand même lui pas arrivé cavoyer président aller. Est-ce que dans cas ça le mieux c'est pas que nous arriver à un accord politique. Bon, et l'éclair que dans tout pays, il y a des situations de crise, il y a un bout, c'est un accord politique. Et dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt de tout le monde, il t'a, dans l'intérêt de l'école là, il t'a supposé un accord politique. Maintenant, que ce soit au niveau du pouvoir, que ce soit au niveau de l'opposition, il faut dire que c'est l'opposition active, extrémiste, de ce secteur démocratique, parce que l'opposition, soi-disant active, modérée, qui a opéré le fusion contre la PEP, etc. Et Clarence Renoir aussi a écrit là, il n'est pas ni dans le premier, ni dans le deuxième. Il est dans le troisième. Ça qui regroupe une série de partis politiques qui existent, qui prennent position, mais qui n'ont pas de capacité de nuisance de mettre les gens dans la rue. Même deuxième catégorie d'opposition n'a pas de capacité de nuisance là. Ouais, et c'est à la partie construit la vie. Ou retrouver lui dans troisième catégorie ça et bon quatrième et dernier parti dans l'opposition hein donc bonne partie politique qui existait bon pas même dans les voies eux-mêmes bon maintenant bon retourner dans ce dit là accord politique là la difficile que le joindre pendant cette année 2019 là pour la simple bonne raison que le président en faiblesse qui fait silence nous sont expliqué toute situation là il pas parler il a quitté bagala il a quitté bagala pour plus toujours et il n'est pas fait tout parce que l'opposition institutionnelle, c'est majorité à Kembe lui. Nous sommes doués comment pour majorité en fait pour que l'écraser l'opposition institutionnelle là. C'est démissionner pour démissionner, oui. Et puis, qu'on y a là, l'opposition institutionnelle là, il n'est pas gagné et raison d'être lié encore. Il n'est pas gagné raison d'être lié encore. Et puis, majorité a démissionné. Maintenant, les gars, vous allez prendre la rue. Avec opposition politique, là, pour faire un mouvement là, oui. Maintenant, le mouvement là, oui, a fait depuis, puisque 2 ans et demi, il n'y a pas de résultat. Mais il a continué à faire pendant fin d'année. Maintenant, le grand bagaille, a fait là, je ne vais pas dire, mais nous faisons analyse là, d'un niveau parti consul la vie, Negio, où celle ça vous fait, et Améti, monsieur, vous prenez la rue, chercher sénateur majorité. Et c'est là, l'opération chercher. Sénateur majorité au niveau fragile au niveau du Parlement. Pas besoin qu'à une séance encore. Hein? Deuxièmement, sénateur majorité, il va chercher l'autre local, quel que soit le local, il va chercher pour réunir. Monsieur minorité, il va venir avec, justement, le monde qui était avec vous hier pour venir attaquer parce que pas d'accord fait séance, il n'y a pas d'accord vote. Maintenant, grand côté, les sénateurs de majorité, prêt à le capable chita, mais c'est au niveau palais national comme conseiller président. Ah ouais? Seul côté, sénateur minorité, yo, avec qui monsieur Kakobayo, pourquoi aller, pas jamais aller, c'est essayer d'entrer dans le palais national pour aller chercher le président. Au grand monde, il y a un problème avec elle. Yo dit, il a cherché. Faut démissionner ce président. Yo connaissez dans le palais lié, il n'y a rien de l'aide d'elle. Ni la Kali, ni le palais national. Donc, deux côtés,
majorité au Kachita, c'est la caille président, c'est le palais national. Donc, quand on n'a pas de là, si on a dit qu'on a ça, eh bien, il y a pour ça. Donc, pas de l'autre alternative, que démissionner comme majorité, mettez minorité à une difficulté, et laisse la minorité, c'est là où il y a le et on va le là pour ça, pas parler de parlement encore, qu'on y a actualité, il y a Chita, sous palais national ou sous la caille président. Donc, l'évolution reste année, sinon, bon, l'autre bagarre encore, que majorité a fait pendant les années là, c'est fait actionner. Sans minorité ou à majorité, foncez. Sans minorité ou à majorité, font vote contre William Michel, contre le gouvernement, restez, et politique générale là, l'État, oui, fait William Michel à gouvernement. Il tombe, président, dans la retourne dans Mélenco, côté que l'on a opportunité pour la loi Chita pour choisir l'autre premier ministre, et les ça. La carte la jouer, t'as bien possibilité ou négociation. Et les Sobral fait toute cette année pour négociation, ça, dans le cadre d'un dialogue fait. Et le président Sobral, ça arrive le deuxième lundi mois de janvier, il va le gonzel 4 négociations le même, et puis le gonzel 4, il constate caducité volument, et les ça jouer la belle dans le même. Maintenant, est-ce que Négio a bien capacité combien ou ils font poter bouillir sur le palais national? Je suis président, baronné. Est-ce que le président lui-même, prend Chita avec l'ONU, qui en Haïti, et Chita, pour le fonds négociation, pour le choix de premier ministre pendant l'ONU en Haïti, son gros bataille qui va le faire là, et dans tout ceci, parce qu'on suit la vie, et pensez lui-même, pour jeunes garçons et jeunes femmes, maintenant, c'est sur campé, pour responsabilité, au-delà du pouvoir, au-delà de l'opposition active et extrémiste, pour que jeunes garçons et jeunes femmes, pour responsabilité, pour ne pas quitter, ne quitter le pouvoir, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Depuis 20 ans, pour la rue propose que vous pouvez changer le système pour payer avec les sénateurs qui n'ont pas pouvoir depuis 3 ans, qui débutent depuis 3 ans, qui ministre, qui n'ont pas pouvoir depuis 5, 10 ans, 20 ans. C'est vous qui avez fait l'argent pendant que les paysans misère, pendant que les paysans vont jouer de l'eau pour les planter, pendant que les paysans qui sont récoltés, ils vont calmer la pourri, pendant que le peuple va jouer de gaz pour le servir. Pendant le peuple a pris balle, pendant les gens qui ont sécurité, ils ont mis des machines blindées, ils ont changé l'argent, pendant l'exécutif, avec législatif, a fait comme, ou bien les gens dans le secteur privé, si vous avez des douanes, etc. Et puis, jeunes garçons, jeunes femmes, pas à l'école, ils ne sont pas à l'université, ils ne sont pas à jouer un job. Et bien, c'est jeunes garçons, jeunes femmes qui, pour camper, faire un mouvement, parle sans âme, qui pour mettre la paix dans le pays. Donc, une véritable mobilisation, jeunes garçons, jeunes femmes, dans le sud, au Caï, tout partout, dans 10 départements. Et avec appui jeunes garçons et jeunes femmes qui dans la diaspora qui vont permettre une véritable révolution mentale faite, une véritable mobilisation jeunes garçons et jeunes femmes pour dire non à parlementaire, qui vous dit non à l'exécutif, qui vous dit non avec opposition extrémiste, secteur démocratique qui pense que le pays a ses bouillons, sénateur député qui pense que le pays a ses bouillons, qui pense qui empêche les gens de parler, qui empêche les gens d'avoir opinion. Mais moi, quoi, c'est une dictature, justement, citoyenne non organisée, des sénateurs qui prennent tête au bon signe en de réunion, qui boule les affaires, qui crase les affaires, qui pas les gens à la parole, en plus, on a l'école, et puis c'est au cas de faire l'argent. C'est là, et nous pensons solution liée. Donc, nous-mêmes, nous pensons que, justement, au niveau parti consulat, nous avons remercié qui veut que, ou ben nous la parole, pour nous arriver là, dans les dernières secondes, pour nous commander toutes jeunes femmes, jeunes garçons, comment se mobiliser, comment se camper, c'est pour la relève là, c'est pour mobiliser, parce que nous pas qu'à quitter. Moun depuis après départ Jean-Claude Duvalier, pour payer un otage, fermez bouche nous, cap bataille pour pouvoir, et puis on propose, c'est la vie société, c'est le système qui a besoin de changer. Merci infiniment, Dr. Harrison, bonne journée. Merci un peu, n'a tout le monde, tout jeune garçon, à jeune femme, qui est intéressé, justement, mobiliser, et bien justement, n'a pas un véritable réseau. Réseau jeunes femmes, jeunes garçons, à travers Parti Consulat la vie dans tous 10 départements, 3401-6837, 3401-6837, contactez-nous, tap connecté à travers 10 départements pour que justement nous arrivions à faire échec avec justement mon génération 86 qui échoue et qui vient voir Jean-Claude Duvalier aller, et puis on prend le pouvoir, et puis on veut être au pouvoir net au détriment de jeunes garçons et jeunes femmes, et puis on propose. Le président Jovenel a besoin d'aller pour changer le système pour nous. Bonne journée tout le monde. Merci Bichard Saint-Jean, merci BDG Caramel là, merci tout auditeur auditrice Joe Caramel, merci tout le monde. Bonne journée.
Voilà, c'était quand même Dr. Harrison Ernest, président du Parti Construit la Vie. Bah, elle fait commentaire. Merci tout le monde qui a suivi l'émission Reconstruction. Donc, bah, M. Bichard à Saint-Jean, on a recroisé demain pour une autre émission. Chaque matin, 11h, chaque soir, 8h, sorti lundi pour arriver vendredi, vintende yon l'autre parole sur Radio Caramel. Reconstruction. Ça qui paraît là, c'est pas ça lié vrai. On a les plus profonds. Reconstruction.